Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du jeudi 25 août 2022. Et ça y est, je suis rentré à la casa. C'est fini les vacances, c'est fini les vidéos avec l'ordinateur portable qui fait un boucan de fou dans un grenier. Retour à la casa, nouveau chapeau, nouvelle petite veste avec un papillon ici qu'on voit pas trop. J'ai mis des petits cœurs et des gros cœurs. J'espère que vous aimez. J'ai pas de fond vert ici, je verrai peut-être, j'achèterai un petit fond vert. J'aimais bien qu'on me voit juste sans le cadre, juste le personnage, voilà. Donc peut-être je prendrai un petit fond vert parce que j'aimais bien ce que je faisais avec les vacances. Avec les vacances, j'avais mis des draps verts un peu à la One Again et Beast to Fly avec la lampe. Et j'ai dû régler ça tous les jours, c'était atroce. J'essaierai de me trouver un petit truc plus sympa. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous serez plutôt fond vert comme j'ai fait pendant les vacances, ou vous préférez voir mes cadres derrière style manga et comics. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Et tu verras bien, si la majorité disant oh, on préfère ça, bon ben je laisserai ça, voilà. Les amis, aujourd'hui, petite cryptosphère verte comme on n'aime pas trop mal. Un Bitcoin à plus 1,32%, un ETH à plus 3,42%. Il pousse le ETH, le ZOT et le reste des altcoins poussent entre plus 2 et plus 10%. On a le petit Shiba qui pousse plus 8% ici, c'est pas trop mal. Au niveau de la bourse fait du petit vert aujourd'hui, c'est tranquillou. Les GAFAM font de la belle bougie verte, du plus 1, plus 2,5% pour Amazon. C'est vraiment pas mal, plus quasi 3% pour Meta, c'est comme si un Bitcoin faisait plus 10%. Donc la bourse aujourd'hui est plutôt bullish et c'est assez marrant parce que aujourd'hui, si tu veux, il y a eu la nouvelle variable du PIB, c'est-à-dire tout simplement, ils nous ont confirmé que la récession était bien là, donc ils nous ont confirmé qu'on avait moins 0,6% sur la variation du PIB, donc deux trimestres consécutifs, c'est récession, et là ils ont dit oui, ok, c'est bon, donc là on a laissé un mois de plus passer, on est toujours à moins 0,6, donc la récession théoriquement est là, mais c'est théorie, et on dirait que tout le monde s'en bat un peu le steak de la récession. Par contre, attention les amis, et donc là, vendredi et samedi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, grosse journée demain, grosse journée, grosse volatilité, je pense, demain. Pourquoi? Parce que demain, on a déjà le speech de El Señor Jerome Powell, qui est tout simplement le président de la Banque Centrale Américaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent espagnol, parce que c'est américain. Bon. Et en plus de ça, on a le Jackson Hole Economic Symposium. Alors tu me dis, mais Fofi, c'est quoi cette gondole d'économie d'imposium? Mais je vais te le dire, voilà. Regarde, une des plus anciennes conférences sur la politique économique des banques centrales au monde, Economy Politics Symposium, se tient à Jackson Hole. Cet événement rassemble en août chaque année depuis 1982 un grand nombre de spécialistes, des économistes, des acteurs des marchés financiers universitaires, représentants des gouvernements et des médias d'information pour traiter des questions de politique à long terme. Cette conférence est régulièrement l'occasion d'annonces importantes sur l'avenir de la politique monétaire. Donc, tu as bien compris que demain, il risque d'avoir une volatilité quand même écrasante sur le marché. Alors, ça peut être une volatilité du gros vert ou du gros rouge, on ne sait pas. Mais demain, il va se passer des choses. Le speech par Jerome Powell va être important. Ce qui va se dire ici dans le Jackson Hole Symposium, ça va être méga important pour la suite, tout simplement, de la direction du marché financier mondial. Là, on est sur du gros. Donc, je pense, alors demain c'est vendredi, donc Wall Street va clôturer vendredi, peut-être que finalement, même si les nouvelles sont pas top, ils vont clôturer dans le vert. Ce qui va être intéressant, ce qui va être là où on va avoir les retours, ça sera la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on verra bien si les marchés prennent ça mal parce que finalement les nouvelles sont assez mauvaises, la politique inflationniste assez mauvaise, parce que les USA entre récession et inflation, une crise immobilière en Chine qui est là, l'Europe qui est sous l'eau au niveau de l'énergie et aussi au niveau de l'inflation. Donc on ne sait pas trop, mais je pense que la semaine prochaine, on aura une réponse par rapport à la direction du marché, que ce soit pour ces cryptos, pour les prochaines semaines. Voilà les amis, on va regarder tout ça. Je vous invite cordialement à prendre le petit pouce bleu et pam 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 à lui taper ses petites fesses et à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fofi. Et tout le monde s'abonne à la chaîne à Fofi. C'est mardi. Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 21 643 dollars. Ça fait 6 jours qu'on est toujours sous la moyenne mobile 50 monthly qui est là, qui est au 21 700. C'est fou comme ça, ça veut pas passer, ça arrive pas. Regarde, on s'est fait refouiller 1, 2, 3, 4, 5. 6 jours dessous, c'est hallucinant. Donc pour l'instant, c'est sûr que c'est pas très bearish. On a une figure de continuation de tendance qui est pas très jolie. On ira voir sur le 1 heure. Moi, j'aime pas trop ça. Souvent, des flags haussés comme ça, ça finit mal. Donc en gros,
On est entre les deux mondes, le monde des enfers qui est gouverné par cette trendline ici en blanc et le monde du paradis qui est plutôt gouverné par la moyenne mobile 50 monthly. Alors on va voir tout à l'heure qu'on a des liquidations assez importantes qui attendent vers Roger, un peu en dessous des 23 000 $. Donc un scénario d'aller chercher pourquoi pas ces liquidations-là et ensuite ben, ou retomber ou alors partir, ça peut être un scénario très probable parce qu'il y a pas mal de thunes pour remplir les caisses, aller chercher au niveau des liquidations sur les futurs ici par les échanges. Donc pour l'instant, c'est le même discours que les jours précédents. Si on pète la 50 ici, la moyenne mobile 50 au 21 700, il faudra péter tout le pataquès ici de résistance au 23 000 $, puis péter la moyenne mobile 100 daily au 24 000 $, 100 daily qui nous a rejeté le prix du Bitcoin pendant plusieurs jours, rappelle-toi qu'on était vers les 25 000, et lorsqu'on sera affranchi des 24 000 $, on sera pas mal. Alors pourquoi les 24 000 ça suffit alors qu'avant les 25 000 ça suffisait pas? Tout simplement parce que le mien Ishimoku, il est là le mien Ishimoku. Et si tu veux, la seule porte du paradis où il y a la lumière derrière, elle est là, je vais te la montrer tout simplement. La porte du paradis, elle est sur le flip ici du nuage. C'est un petit tunnel, un petit, tu vois, un petit raccourci. Et le Bitcoin, il pourrait monter par là, pam, pam, pam. Et hop, ça y est, il passerait au-dessus de nuage Ishimoku. Alors, il faudrait péter les 24 000. Hein, faudrait au moins passer à les 23, les 24. Et il serait au-dessus du nuage. Et là, ce petit filou, on pourra dire, ah ah, t'as pris un raccourci. Mais tu te retrouves au-dessus du nuage. Donc, tu peux repartir en tendance haussière. Si jamais... ici, le Bitcoin, donc autrement dit, si jamais il loupe le flip ici, il loupe le petit tunnel, qu'on fait ça, eh bien, ça sera les enfers et damnation. Au niveau du RSI, on était sur divergence haussière, donc comme on disait, c'est ou une montée forte ou alors une petite range ou une montée faible, si tu veux, voilà. En tout cas, ça ne me disait pas les enfers avec une divergence. Par contre, là, le RSI est en train de reprendre un peu de vigueur. Il pourrait aussi remonter aux 50 et arriver aux 50, bam, la sanction. Et donc, les 50, ça voudrait dire peut-être péter là, aller chercher les 22, 23 000 liquidations et tomber. Donc, on fait attention. Vous savez, pour l'instant, il y a quand même plus de probabilité d'aller en bas que de probabilité d'aller en haut. Au niveau du MACD, on voit que ça fait 4 jours que les bears, les vendeurs perdent du momentum. Donc là, c'est très possible que les bulls vont essayer de reprendre ça. Donc, un pétage de la 50 pour remonter un petit peu, essayer d'attaquer les 23, voire les 24 et voir si on a arrive enfin à s'affranchir et aller 12, 30, 35, ou finalement, bah, bam, tomber, c'est aussi possible, tu vois. Donc pour l'instant, alors, pour être vraiment bullish, pour vraiment se dire, ça y est, tout ça, c'est fini, alors il faudrait péter, alors, c'est, tu vois, vraiment, faut, je mets la, je traîne la ligne ici, pourquoi? Parce qu'il faudrait, voilà, péter sur du canal, voilà. Vraiment, il faudrait s'affranchir des 25, j'ai envie de te dire des 26 même, des 26, et plus exactement les 26 746. C'est tout simplement la sortie de la zone de rechargement long terme du Bitcoin. Cette zone de rechargement long terme, ah là là, qu'est-ce que je la présentais tous les jours de, juste depuis les 60 000 $, on en parlait. Donc sortir de là, c'est vraiment sortir de l'auberge et ça y est, cours, cours, tu es libre, cours, c'est ça, tu vois. Donc il faudrait péter pour moi les 26 746 $. Et là, ça y est, qu'est-ce que tu as fait? Si tu pètes tes 26 746, t'es au-dessus du nuage Ishimoku, t'es au-dessus de la Tenkan, t'es au-dessus de la Kijun, t'es au-dessus des grosses moyennes, t'es au-dessus du canal ici, finalement tu pètes par le haut ce canal, et là c'est direction les 30 000 grand minimum, voire même 35 40, on ne sait pas. Donc les 26 700, ça c'est bon, c'est mon chiffre à moi, après chacun a son chiffre, t'en as qui vont te dire 25, t'en as 24, t'en as un peu plus, bon bref, on s'en fout. Et à contrario, si jamais on pète tout simplement cette bougie-là, les 20 800 $, c'est direction les enfers. Ça voudra dire tout simplement qu'on a pété notre petit canal haussier vers le bas et ça sera ben, direction les 19, 18, 17, 16, j'en sais rien. Si on regarde le 1 heure du Bitcoin, donc on n'était pas trop mal, on arrivait à peu près à lire les structures. Hein. C'était surtout quand les structures étaient des belles grosses structures 1 heure à 4 heures. C'était assez facile à lire. On avait une belle structure là finalement qui s'est invalidée. Ça, normalement, ça, c'était magnifique. Ça devait partir vers le haut. Mais la bougie de moins de 10% a décidé que ça allait vers le bas. Et là, la structure qu'on a, alors j'ai mis la flèche blanche ici parce que moi j'aime pas ça, c'est pas beau ça, ça c'est un flag haussier, c'est une structure de continuation de tendance, pam 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 et bim aux enfers. On fait attention. Alors bien sûr, c'est une histoire de probabilité. Ça pourrait péter en haut, pam, comme ça, comme a fait le Bitcoin en journalier, on va voir ça. Mais il y a plus de probabilité d'aller en bas. Donc en parlant de pétage par le haut, ben regarde le Bitcoin, c'est exactement ce qu'il a fait. Tu avais un canal ici, là, bam, bam, bam. Et là, les probabilités te disaient quoi? Tu viens du haut vers le bas et tu fais un canal haussier, plus de probabilité d'aller en bas. Finalement, lui, il a pété vers le haut. Donc comme quoi, des fois, les probabilités n'ont pas raison. Bon.
Après, la majorité du temps, bah, tu as envie de suivre là où il y a le plus de probabilité. Donc là, l'ETH, il a bien rebondi sur la moyenne mobile 100 daily. Je te rappelle que le Bitcoin, il est à peu près là, sous la moyenne mobile 50 monthly. Le Bitcoin est là. L'ETH est beaucoup plus haut, d'accord? Parce qu'il a fait une poussée astronomique avec l'annonce du merge qui arrive dans quelques semaines. Vers l'ETH 2.0. Bon, donc l'ETH a bien rebondi. On fait attention parce qu'il va être calmé vite vers les 1700 et quelques dollars. Parce que là, tu as la Tenkan et la Kijun du système Ishimoku qui l'attendent. C'est des grosses résistances. Donc les 1775 dollars, allez, ça va le calmer un petit peu. Au niveau du RSI, donc pour l'instant, il s'affranchit des zones de 50. C'est une bonne nouvelle. Si jamais il casse les 50 vers le haut, on pourra dire ah, peut-être l'ETH, il va nous faire quelque chose de plus puissant. Peut-être rechercher les 2000. On verra bien. Si demain il fait du rouge, ça voudra dire tout simplement qu'il se fait rejeter au niveau des 50 de RSI. Je te rappelle, les 50, c'est la frontière entre le paradis et les enfers. Ok ? Donc si jamais demain on a une bougie rouge et bam, tu as ça, tu auras sûrement une divergence qui va arriver, la divergence baissière. Et ça sera le retour minimum, aller rechercher les 1500 et quelques et peut-être plus bas. En tout cas, le TH est plus bullish parce qu'il a des gros supports sous les pieds. Il a les 1500, il a les 1250, il a les 1200 et après au pire, il a les 1000 dollars. Voilà. Donc le TH plus bullish. Pareil, ça fait 3 jours que les vendeurs perdent un peu de puissance sur le TH. Est-ce que le TH va essayer de pousser, rechercher les 2000 et après retomber? On va aller voir les liquidations. Au niveau du 1 heure, donc le TH est pareil, il y avait de belles structures qu'on arrivait à peu près à suivre, hein, quand c'était belles structures bien développées, donc le wave trading assez facile, quand ça fait des tricks dégueulasses, c'est moins facile. Là, une grosse impulsion, c'est le moins 10% du Bitcoin, pareil sur le TH. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'on aurait quoi? C'est quoi? C'est une A, donc on a une A ici, puis après on va faire une B, après on va faire une C, et dans ce cas-là, bim, ça sera continuation des enfers. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que ça c'est une B, donc ça serait une A, et ça serait une B, donc après une C, et bim, c'est continuation au paradis? On ne sait pas. Est-ce que ça c'est une A? Ça c'est plus une impulsion avant une nouvelle structure. Donc j'attends de voir ça. Si jamais la suite de ça, c'est une structure rapide, une structure assez énervée, genre tu veux, ça fait ça et après ça fait bam comme ça, on se dira ça c'est une B. Et dans ce cas-là, ça c'est une C et la suite c'est bim, c'est vers le haut. Donc j'attends de voir un peu la suite. Voilà, on attend de voir. Si jamais ça descend en zigzagant, que ça prend 10 ans comme ça, on saura que finalement ça c'est une A, ça c'est une B, après il y aura une C et ça sera les enfers après. Non, il faut attendre que la structure se développe un peu. J'ai plus envie de dire que vu la tronche du Bitcoin, il y a des chances que le TH suive le Bitcoin et comme le Bitcoin a plus de probabilité tout simplement d'aller en bas, c'est pour ça que j'ai mis la flèche ici pour le bas sur le TH. Au niveau des liquidations, ben écoute, j'ai oublié de les charger tout simplement. Voilà, excusez-moi. Donc, je vais charger pour l'instant. Voilà, cueille et parle ici. Avant, on va regarder donc la dominance des stablecoins avec le Bitcoin en bleu. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et j'ai rajouté cette ligne jaune là. Cette ligne jaune, je l'ai appelée El Capitulación. Pourquoi je l'appelle El Capitulación? Tout simplement parce que pour moi, cette ligne jaune qui apparaît vers le 13 mai 2022, pour moi, c'est la vraie capitulation. Je vais te dire pourquoi. Là, il y a le Bitcoin. Le Bitcoin, il était aux alentours des 30 000 dollars. C'était après qu'on s'est pris un shoot, qu'on est passé des 47 à 30 000, d'accord? Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu as la dominance, ok, qui a explosé. Donc, les gens sont beaucoup revenus en stablecoin, mais ce n'est pas pour ça. C'est surtout là, le market cap. Pour la première fois, le market cap depuis, depuis à peu près toujours, hein, depuis, parce que là, c'est le bull run, donc à bull run 2020-2021, le market cap, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de stablecoins créés. Bonjour, voici du dollar, toc, et voici votre stablecoin, merci, au revoir. C'est quand tu crames ton euro, ton dollar pour du stablecoin, tout simplement. Et donc là, pendant le bull run, bam, 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 création de stablecoin, tu as l'échelle ici à droite, cette échelle ici. On est à 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards, 60, 80, 90, 100 milliards. On est arrivé aux 100 milliards de stablecoin et là, on était sur le crash de mai. Crash de mai, le Bitcoin, il pousse. Allez, c'est parti. Bam, 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 bam. Et on arrive jusqu'où à peu près 150 milliards. D'accord, 150 milliards. Je remets ça. Et hop, attends, je vais enlever le petit truc jaune ici. Voilà. Et donc, si tu veux, là, c'est la première fois depuis Bull Run 2021, ça va faire bientôt 2 ans, voire même plus, qu'on a une chute du market cap. Bam, 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 bam. Chute du market cap, tout simplement, vu que, normalement, c'est pegué au dollar, donc 1 dollar égale 1 stablecoin. Quand la market cap diminue, là, si c'était une vraie crypto, disons qu'une crypto qui vaut 100 dollars, si après elle passe à 90 dollars, bon, tu as le market cap qui diminue, mais là, ça reste toujours 1 dollar. Donc, un market cap qui diminue, c'est tout simplement du stablecoin qui est sorti du marché
qui est cramé, qui est brûlé, qui est burn, parce que les gens sont revenus en fiat. Donc là, pour moi, à partir le 13 mai 2022, les gens ont dégagé beaucoup de la stablecoin pour récupérer du dollar ou de l'euro, et ça, c'est un gros signe de capitulation. Les gens partent du marché crypto. Les gens sont partis. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? Les mineurs ici, donc là on parle de capitulation avec le hash ribbon qui s'allume et ça y est, c'est le bottom et tout. On fait attention parce que les mineurs, plusieurs fois leur capitulation a fini, mais elle est repartie. Fini, reparti, gars. Fini, reparti, fini, reparti, fini, reparti, fini, reparti. Donc on fait attention. Là ça fait capitulation finie. Eh ben non, recapitulation. Donc là, est-ce que c'est refini? Peut-être que non. Bon, on retourne dans nos liquidations. Donc là, tout simplement. Sur notre Bitcoin, pourquoi on disait qu'il peut aller voir les 24 voire 25 000 dollars? Parce qu'il y a un gros pataquès ici de liquidation qui nous attend jusqu'aux 24 600 dollars. Donc 24 600 dollars, c'est où? Tout simplement, 24 600, c'est allez, c'est juste en dessous de la moyenne mobile sans délit. Faire coucou la moyenne mobile sans délit, puis après, oh, au revoir, ça. Et pourquoi? Il y en a aussi des contre-options demain. Alors, les contre-options demain, c'est les 23 000 dollars. On va voir ça. Donc peut-être que demain, belle bougie verte pour aller aux 23 000 et après aller chercher les 23 500. Ça serait très très possible, d'accord? Et après, est-ce qu'il va s'arrêter là et se retourner pour aller chercher ce pic aux 16 000 dollars? Ou alors est-ce que le Bitcoin va continuer son ascension et aller chercher ce pic-là qui est aux 30 000 et voir aller jusqu'aux 35 000? On ne sait pas. Bon, moi j'ai envie de te dire, si vraiment ils veulent remplir la caisse, pouah, tu sais pas. Ils pourraient d'abord chercher jusqu'aux 35 et après revenir aux 16, ou d'abord aller vers les 19. Parce que t'es pas obligé d'aller aux 16, il suffit que tu ailles aux 18, 17, ça suffit pour liquider ce gros pic parce que les gens vont tous fermer leur position, si tu veux. Donc, il suffit d'aller un petit peu, moi je dirais les 19, 18, hein, ou 17, et puis là t'as plus rien. Donc, voilà, je sais pas. Est-ce qu'ils vont préférer les market makers aller chercher en bas et après faire le gros short squeeze qu'aux 35, ou attaquer un petit peu les 25, faire semblant qu'on fait tout le monde et les gens vont ouvrir tous des longs parce que vu qu'on va vers les 25, ils vont dire allez, ça y est, maintenant on va péter les 25, c'est parti, les 30 000, c'est la bonne celle-là. Et les gens vont ouvrir et bam, ça va se retourner. Donc voilà les différents scénarios. D'abord 25, après les 18-17, ou d'abord les 18-17 et après on va en plus haut. Bon, on ne sait pas. Au niveau de l'ETH, donc lui, il a un peu plus de liquidation en bas que de liquidation en haut. Le plus gros pic, il est 1730 dollars. Donc celui-là, s'il ne va pas le chercher rapidement, c'est qu'il dorme, les market makers, ils sont en vacances. Ici, à 1800, il y en a un autre. Il y en a un qui n'est pas trop mal au 2300 et après 2500, c'est haut. Et en bas, bien sûr, il y a un bon petit pataquès ici de liquidation jusqu'aux 1250 dollars. Bon, donc est-ce que le Bitcoin va d'abord chercher les 18-17, toute liquidation plus bas, et le TH il va aller jusqu'au 1250 et après bim, tout le monde va monter en haut? Peut-être, on ne sait pas. Bon. Au niveau de l'ordre flow, donc le marché du perpétuel du BTC est leveragé à 13,39 milliards de dollars. Pour l'instant, on est plutôt en zone neutre. Hein. On n'est pas vers les 20 milliards où on sait que ça squeeze sec quand on y va, ça long squeeze. On n'est pas vers les à peu près 10 milliards où là, ça sent le bottom, ce qu'on a eu la dernière fois. Rappelle-toi, pendant bien 2 semaines, on était à 10 milliards et là, je disais, ah là là, vu la tranche ici de l'open interest, dernièrement, ça a été un bottom l'année dernière. Donc, c'est très possible que là, on soit sur un bottom, mais je pensais que ça allait durer plus longtemps. Je pense pas que bim bim ça allait remonter. Les gens ont été assez euphoriques, tu vois. Donc là aujourd'hui, petite journée, plus 0,034 contrats ouverts, donc il se passe rien. Dans certains échanges, les gens ils ferment les contrats, dans certains autres échanges, les gens ils ouvrent. Bon, au niveau de l'ETH, les gens sont plus bullish comme d'habitude. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Regarde, le Bitcoin aujourd'hui, plus 0, non, moins, alors, regarde, ça a changé, moins 0,50% de contrats, l'ETH. Plus 7,74, c'est du gros, plus 43, 0, mais c'est la folie sur quoi, n'importe quoi. Donc là, les gens, ils sont toujours en mode ETH, c'est parti, on ouvre des contrats sur le perpétuel, donc ils parient à la hausse ou à la baisse. On verra s'ils ouvrent plus de long que de short, tout simplement. Tandis que sur le Chicago Mercantile Exchange, on va voir ça, chez nos professionnels, ils sont calmés. Ils sont calmés. Et là, tu vois bien qu'il y a une divergence. Les particuliers, c'est la fête du slip sur le perpétuel, sur le TH. Tandis que sur le CME, c'est plutôt la fermeture de contrat. On va aller regarder ça. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'ils ouvrent les gens aujourd'hui. Donc alors là, on a à peu près le ratio entre long et short. Après, on ne sait pas. Est-ce que les gens ouvrent plus de long ou est-ce qu'ils sont en train plus de fermer de long? Est-ce que les gens ouvrent plus de short, sont plus en train de fermer des shorts? On ne sait pas. Des indicateurs comme ça, souvent des indicateurs payants qui valent un bras. Je vais essayer de trouver ça et quand la chaîne YouTube rapportera plus de thunes, ben, je pourrais payer ces indicateurs. Mais là, le problème, c'est qu'on sait juste est-ce qu'il y a plus de long que de short. Voilà. Mais c'est après que tout soit fait. Fermeture, ouverture de contrat et compagnie. Bon. Donc, le Bitcoin,
Il y a beaucoup. Oh là là là, ça short au max en ce moment sur le 1h. Tiens, 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 ils sont coquins là. Ça peut aider le prix à monter. Sur le 4h, ça short plus que ça longue. Sur le 24, c'est en train de. 24, pardon, s'il vous plaît, computer, le 24. Le 24, ça longue un peu plus que ça short. Donc là, à court terme, sur le Bitcoin, c'est en train de poser du long, tout simplement. Donc, bam, bam. Donc, est-ce que là, bam, on va péter ça vers le haut finalement? Et aller chercher les liquidations aux 24 000, c'est possible, hein, c'est possible. Au niveau maintenant, hop, de l'ETH, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils font ces contrats? Surtout, l'ETH, c'est un peu la fête. Donc sur le 1 heure, l'ETH, ça ouvre plus de short que de long. Tiens, tiens. Sur le 4 heures, ça ouvre un peu plus de long. Bon, bah, c'est assez kiff-kiff. Ça ne nous aide pas. Et sur le 24, c'est un peu plus de long. Donc peut-être un chouïa plus de long sur le TH, mais c'est de pas beaucoup. Bon. Nouvelle petite ici indicateur, c'est tout simplement les contrats sur le Chicago Mercantile Exchange qui sont ben, nos professionnels. Et regarde, c'est assez marrant. Si on regarde le total long short, c'est quasi kiff-kiff. Donc chez les pros, il y a quasi autant de long que de short. Il n'y a pas un levier qui prime, enfin un levier plutôt, on va dire, les longs qui sont beaucoup plus élevés que les shorts, c'est à peu près constant, c'est à peu près kiff-kiff. Voilà. Si jamais ils seront en train de shorter au max, on se posera des questions. S'ils sont en train de long au max, on se posera aussi des questions. On verra bien. Moi, je pense qu'ils sont plutôt en mode, on s'en fout. Le CMU, ils sont en mode, on s'en fout. Tout simplement, des cryptos, on reviendra plus tard. Au niveau du funding, on peut voir que le BTC, du funding négatif depuis quelques temps, c'est pas mal. Funding négatif, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est les shorts qui payent pour les longs. Donc, une masse de shorts plus épaisse que une masse de longs. Pourquoi? Parce que peut-être il y a plus de shorts que de longs. Enfin, plus de shorts qui sont ouverts que de longs. Il y a peut-être aussi une fermeture de longs qui est arrivée en masse. Ce qui fait, bah, vu que plein de gens fermaient leurs longs, les shorts sont repassés au-dessus. Bon, c'est un peu dedans. En tout cas, on sait que le passé nous dit, lorsqu'on a un funding qui est négatif pendant longtemps, ça aide à pousser le prix vers le haut. Comme un funding très positif pendant longtemps, ça a poussé le prix vers le bas. Le Bitcoin, l'Ethereum, c'est pareil. Funding négatif, ça c'est intéressant. Donc écoute, on verra bien, mais surtout, on regarde le patron, c'est lui qui va décider. Un funding négatif pendant longtemps, on n'a pas vu ça depuis mai 2021, avant qu'on fasse un nouvel ATH. Et là, je ne peux pas aller plus bas que février 2022, mais mai 2021, il faudrait regarder des vidéos bah, qui datent du début de l'année. Tu peux voir que c'était curieux. En mai 2021, avant de passer tout simplement des. C'était combien? Des 27 000 aux 60 000, parce qu'on avait touché les 27 000, eh bien, on avait un funding qui était négatif à mort, mais à mort, des barres vers le bas énormes pendant des semaines et des semaines. Et là, oui, c'était short squeeze incoming, quoi. Le short squeeze, il est arrivé. Donc, voilà. Au niveau maintenant des liquidations, donc à peu près 100 millions liquidés ces 24 heures, c'est rien, 42 millions sur le TH. Le TH toujours en tête, ben, vu que les gens ouvrent beaucoup plus de contrats sur le perpétuel avec le TH qu'avec le Bitcoin, eh ben, les échanges, ils se font plaisir. Mais ils se régalent les échanges, ils remplissent leur caisse à mort grâce à le TH. Au niveau du Bitcoin, aujourd'hui plus de demandes que d'offres, donc c'est pas mal. Pareil pour le TH, on a une demande un peu plus épaisse que l'offre. Au niveau des Bitcoin balance sur les échanges, je vais réactualiser. Donc là, on est à moins 2800, ça peut-être changer un petit peu. Ça veut dire qu'il y a pas mal de Bitcoin qui ont été achetés et sortis des échanges. Ah, 3004. Donc aujourd'hui, il y a de la demande. Il ne s'est rien passé ces derniers jours, mais aujourd'hui, pourquoi pas. Donc il y a plus de Bitcoin qui ont été achetés et sortis des échanges que de Bitcoin qui sont rentrés. Par contre, le graphique va peut-être s'afficher. N'oubliez pas qu'il y a une trentaine de milliers de bitcoins qui attendent toujours pour se faire vendre. Et MTG Gox, avec 140 000 bitcoins qui vont arriver, il faut faire attention, il faut être prudent. Au niveau crypto Fearnet, on revient dans la peur. Ça, ok, c'est bien. Au niveau des contrats options pour demain, donc à peu près 45 000 contrats pour les bitcoins. Max Pink Price à 22 500. Est-ce que demain on peut être à 25 500? C'est possible. Il y a quand même pas mal de contrats. C'est la troisième plus grosse expiration de l'année. Le TH, pareil. Donc demain, c'est la troisième plus grosse expiration de l'année. 740 000 contrats, c'est pas mal. Max Payne Price à 1500. Est-ce que le TH va aller à 1500 demain? Il est pas très loin, donc pourquoi pas. Bon. Au niveau MicroStrategy, qui continue son dessin, il achète des centaines de bitcoins tous les jours. Il se régale. Au niveau de la macro, donc la bourse aujourd'hui, les plus gros indices boursiers, le SP500, Nasdaq, Dow Jones, nous fait du petit vert timide. Alors en ce moment, les analystes, ben, c'est un peu la guerre entre ceux qui disent bull, ceux qui disent bear, mais pas mal disent plutôt que ben, malheureusement la bourse est en train d'entamer la correction de la grosse tendance haussière qu'elle a faite depuis 2 mois. Donc ça fait 2 mois que la bourse fait du gros gros vert et au bout d'un moment il faut bien corriger. Donc ça serait ça. Le gold et le silver, donc petit rouge avant, petit vert maintenant. Par contre, c'est ça. Les matières premières et le pétrole, ils sont en train de nous faire un petit canal et ça, c'est pas bon. Si ce petit canal, il pète vers le haut, alors ça sera bonjour la grosse inflation, bonjour la politique anti-inflationniste encore plus forte et du rouge
que ce soit sur le marché boursier, sur le marché crypto. Donc là, ça, c'est pas joli de voir les matières premières et le pétrole commencer à faire du gros vert. Au niveau des entreprises cotées en bourse en relation avec les cryptos, après avoir touché les enfers depuis novembre 2021, bam, du moins 90%, ça nous fait peut-être une petite structure de fin, de baisse, de peut-être un bottom. C'est pas trop mal, c'est intéressant ce qui se fait là. Ça fait du gros pump pendant un petit mois. Là, pour l'instant, c'est en train de retracer. Au niveau du bilan des banques centrales et de l'inflation en Europe aux USA, donc pour l'instant, on attend les nouveaux chiffres, mais bilan des banques centrales toujours très élevé depuis l'époque Covid, à 2 ans de tout simplement création de monnaie, et ils ont injecté tout ça dans les pays, donc ça fait qu'il y a eu de la magic money de partout, et après tu dis, oh, comment ça se fait qu'il y a de l'inflation, alors qu'on a juste injecté plus d'euros et du dollar qu'il existait déjà sur le marché. C'est bizarre, hein. Et donc l'inflation énorme aux USA, à peu près 8,50, en zone euro, c'est pareil, 8,90, on est meilleur que les USA, voilà, bravo, et nous, on n'a pas encore commencé notre politique anti-inflationniste parce que nous, l'inflation, on adore ça. Bon. Au niveau des taux d'intérêt américains qu'on compare avec les obligations d'État américaines et du Bitcoin, on peut voir qu'il y a quelque chose de pas beau, on le disait depuis que ça monte, depuis début août, là, tous les taux d'intérêt, là, sont en train de monter du 2 ans au 30 ans, tout le monde est en train de monter, les obligations descendaient, et donc, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, la bourse, une des deux montées, c'est où les taux montaient, ou c'était la bourse qui montait, ben, finalement, c'est la bourse qui montait, parce que la bourse continue à monter. Donc là, c'est la bourse qui tombe et la bourse pourrait tomber plus, hein, parce que là, les taux d'intérêt sont en train de nous faire une belle petite envolée. Bon. Au niveau du VIX, l'indice de la volatilité de la peur baqué sur l'SP500, rappelle-toi quand le VIX il fait un crack, ça ressemble à peu près à ça, là c'est le crack Covid, et quand il y a un crack égale crack boursier, le crack boursier est là, donc, et crack sur tout le monde, donc VIX en haut, tout le monde a peur, tout le monde pleure, donc tout le monde vend les actions, et après tu as le crash Covid qui est aussi là, il est tout petit parce que j'ai pas mis en échelle, donc tout simplement. Là donc l'SP500 il a cogné sur cette résistance tout dessus, est-ce qu'il va revenir en bas du canal, et là ça va faire pleurer tout le monde, on ne sait pas. Le Bitcoin, est-ce qu'il va nous faire une petite poussée ici, pourquoi pas jusqu'au 25 000 à peu près, 25 500, là où il y a les liquidations, et après, bam, c'est très possible, hein. Je vois bien le Bitcoin grignoter, toucher la trendline long terme qu'il a depuis longtemps, hein, depuis l'ancienne ATH. Je vais la mettre un petit peu mieux. Et aller chercher tout simplement les 25 000 $ ici, là. Et après, bam, le retour aux enfers. Ça serait assez beau. Chartistement parlant, ça serait assez beau. Donc pour l'instant, fais attention parce que le VIX, il reprend un peu de vigueur. Donc il y a une peur qui s'installe dans le marché, de la volatilité. Si le VIX décide d'aller regarder le haut du canal, voire de le péter, ça sera, je pense, bonjour, direction du pas joli du tout. Au niveau du dollar, donc le dollar toujours dans son bull run. Hein. Rappelle-toi, j'ai mis des flèches ici. Quand le dollar fait un bear market, là, c'est longtemps. Hein. On est entre mars 2020 et avril 2021. Donc, quand le dollar fait un bear market qui fait un bull run, c'est le Bitcoin. Et quand le dollar fait un bull run qui fait un bear market, c'est le Bitcoin, tout simplement. C'est même un peu toute la bourse, j'ai envie de te dire. Donc là, le dollar, il est toujours en mode bull run. Hein. Bam, bam, allez, on y va, c'est parti. Il n'est pas du tout en mode bear market. Il n'est même pas en mode j'arrête mon bull run. Pour arrêter le bull run, il faudrait qu'il fasse ça et péter cette trendline à ce niveau-là. Et là, on pourra dire, ah, il se passe quelque chose. Donc pour l'instant, le dollar il est toujours en mode bull run. Et tant qu'il est en mode bull run, eh ben, le Bitcoin et le marché boursier sont en mode bear market. Pour finir, les amis, la vidéo ici, donc sur le Twitter. Donc j'ai mis des indices intéressants, pareil, bullish, bearish, comme d'habitude. Notre ami Stock Money Lizard qui nous partage ici comme en 2018, avant le crash Covid, c'est-à-dire le bear market 2018-2019. Pétage de la trendline ici, bam, double bottom et c'est parti, tous the moon. Voilà. Donc pourquoi pas, hein, on pourrait être dans un bottom maintenant et bim bim, c'est parti. Il faudrait péter la trendline que je montre là, donc il faudrait péter les 30 000 pour se dire, ah, peut-être que maintenant c'est fini. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tagado Bitcoin qui nous dit, si je résume en 24 heures, on a appris que Mastercard s'associe à Binance pour apporter les paiements crypto à 90 millions de commerces qu'on disait hier. Et Samsung va créer sa plateforme de crypto en 2023. Et ça, je ne l'ai pas vu passer. C'est pour ça que je l'ai mis. Je ne savais pas que Samsung va créer sa plateforme crypto. C'est assez énorme. Bon. Monsieur Root qui nous partage une belle charte. Il nous montre ici le Release Price, tout simplement cette ligne orange. C'est le prix d'achat moyen de tous les bitcoins. De tous les bitcoins depuis qu'il existe. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'on est passé dessous, donc pardon, le Release Price, c'est le pointillé là, d'accord? Après, c'est le prix du bitcoin là. C'est le prix du bitcoin ici, tu as le 2014, c'est le Bear Market 2014, Bear Market 2018 et la Bear Market 2022. À chaque fois qu'on est passé sous la ligne de Release Price, ça a été des bottoms. Donc là, on a passé 133 jours dessous en 2018 et on a passé 121 plus 69 plus 84, on a passé 270 jours en 2014. Là, on a passé que 35 jours, plus 5. Est-ce qu'on va y passer plus longtemps? Et dans ce cas-là, on va retoucher 20, 19, 18, 17 pendant les semaines avant de repartir, c'est possible. En tout cas, c'est une belle analyse avec le Resale Price, c'est très très bien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monnaie Radar qui nous dit que depuis juin 2019, 54 échanges ont fermé leurs portes. Le secteur a connu une vaste consolidation. Les échanges non compétitifs ont fermé. La Chine a connu le plus de fermetures, 6 principalement à cause de la répression du gouvernement. Donc on fait attention. Alors bien sûr, si tu es sur Binance Coinbase, bah, c'est du gros, c'est du lourd, FTX aussi. Mais on est à l'abri de rien. C'est pour ça que, bon, moi je suis sous les dures là, maintenant depuis quelques temps, depuis qu'il y a eu le hack sur les wallets Slope. Voilà, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oulala, là ça pue. Je me suis mis sur Ledger. Alors tu vas me dire, Poufi, pourquoi t'étais pas avant sous Ledger? La grosse feignantise, c'est tout d'acheter une Ledger, la recevoir, de créer tous les wallets, de transférer tout sur là. Mais je l'ai fait et franchement, je le conseille à tout le monde, tout simplement parce que t'es tranquille. Enfin, c'est une sécurité de plus. Quelqu'un qui veut te faire une transaction, il faut appuyer sur ta Ledger. Donc, si quelqu'un hack ton PC ou te fait quelque chose, ben, ta Ledger, c'est une sécurité en plus. Voilà. Bon. Donc, Ledger, c'est pas mal. Si tu veux, j'ai un lien en bas sur Ledger. Si tu as envie de cliquer, tu cliques dessus, tu as acheté un Ledger. C'est un lien affilié. Je ne sais pas ce que je gagne avec le lien affilié. J'ai pas regardé. Bon, je suis allé sur le site de Ledger. J'ai vu, oh tiens, lien affilié. Donc, je l'ai mis en description. Mais je ne sais pas ce que je gagne. Bon. Et donc, dans les Ledger, voilà, c'est pas mal. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ben, faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Faut pas avoir tout son pognon sur Binance, tout son pognon sur FTX. Parce qu'on sait jamais. Alors, Binance, c'est gigantesque. Pour que Binance, il arrive quelque chose. Il faudrait une météorite qui leur tombe sur la tronche, il y a peu de probabilité. Mais tu sais jamais, un gros hack qui arrive de nulle part sur Binance, ben, tu sais pas, tu vois, tu sais pas. Donc vaut mieux être prudent, vaut mieux être prudent, voilà. Mais au moins, quelqu'un qui est full Binance, si vraiment tes cryptos sont juste en stacking, foutent rien, ben t'en mets un petit peu sur FTX, c'est génial FTX, t'en mets à droite, à gauche, voilà, un petit peu, sur des échanges centralisés si t'as envie, bon. Mais bon, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Au début, moi, quand j'étais plus petit, j'avais tout sur Binance, pendant longtemps, je me prenais pas la tête. Après, quand tu vas sur le monde de la DeFi et compagnie, bon, là, tu joues un peu plus avec tes cryptos et donc là, tu les amènes à droite, à gauche. Bref, Profit Blue qui nous dit, donc le TH ici en un day nous montre peut-être une épaule, tête épaule dégueulasse qui nous ramènerait vers les 1000$. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, hein, on peut pas dire que c'est faux, hein, donc on verra bien. Si le Bitcoin, en tout cas, il pète, il va vers les 17 000$, 16 000$, c'est un ETH qui revient aux 1000. Et le capot des cryptos qui lui est riche aussi, par contre, il nous dit, on irait chercher les 23 500, le gros pataquès de liquidation, et après, bam, on revient vers les 20 000, peut-être plus bas. Bon. David Puel qui nous partage ici que la valeur totale des transactions en dollars du Bitcoin a passé les 100 000 milliards de dollars. Oui, 100 trillions, c'est 100 000 milliards de dollars. Donc, il y a de la transaction sur le Bitcoin. 100 000 milliards de dollars, c'est peut-être plus qu'il y a du pognon sur la planète entière, je ne sais pas. En tout cas, pardon, mais dire au dodo. En tout cas, 100 000 milliards. Si jamais tu as 100 000 milliards de dollars, tu achètes la planète. Parce que tu achètes tout, tu achètes Google, tu achètes... Parce que tout ce qui est Google, Microsoft, Apple, c'est de l'ordre de milliers de milliards. Donc, c'est pas cher. Quand t'as 100 000 milliards. Donc 100 000 milliards, t'achètes les GAFAM, t'achètes tout. Moi, bon, t'achètes tout, c'est tout, tout simplement. Voilà. Tu commences par les GAFAM, et avec toute la thune de GAFAM, tu continues à acheter tout ce cas. Voilà, t'achètes la planète. Voilà, voilà. Dis-moi ce que tu ferais, toi, avec 100 000 milliards de dollars. Bon. Et moi, j'achète Foufi, puis je l'enferme, il fait des analyses comme pour moi. Alors, Dave the Wave qui nous dit. Alors, lui, il est plutôt bearish là, parce que le Gaussian, peut-être, donc c'est la Gaussian, le Gaussian Channel ici, c'est un indicateur comme un autre. Et donc, en gros, à chaque fois qu'il a été rouge, ben, ça a duré un peu de temps. Hein. Tu vois, ça a duré un peu de temps dans les anciens bear markets, bear market 2014, 2015, bear market 2018. Donc là, c'est toujours croisé rouge. Est-ce qu'on va aller rechercher les 19, 18, 17 et tout? Et donc, peut-être plus bas, on ne sait pas. Mais ça, tu vois, c'est pas très bullish. C'est pas très bullish. Bon, on descend. Glassnode qui nous dit tout simplement les long-term holders, ceux qui ont du Bitcoin depuis plus d'un an, ils sont en perte. Une perte qui est équivalente pas loin au bear market d'avant, 2015 et 2018. Donc, on pourrait être aussi dans un bottom ou peut-être une dernière jambe baissière pour vraiment dire un bottom. Donc, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est ce qu'il faut retenir. Bon. MediaVenir qui nous dit les dividendes versés par les grandes entreprises ont atteint un niveau record, 44 milliards d'euros deuxième trimestre. Voilà. Donc, les grandes entreprises vont très bien. Bon, ben, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, écoutez, comme d'habitude, soyez prudents. Ça, on ne sait pas trop. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, même si jamais on va au 23 500 pour faire coucou à Roger ou là pour aller chercher liquidation, on fait attention. Donc, moi, dans mon plan d'investissement, tout simplement, j'ai du stablecoin. Tu vois, je dois avoir une vingtaine de pourcents stablecoin, qui est pas mal hein, déjà, peut-être un peu plus. Allez, max 25%. Et si jamais ça décide de péter et chercher plus bas, ben bam, cartouche, tout simplement. Si jamais là c'est le bottom et plus jamais de la vie on ira dessous et on va péter par le haut et go tout 1 000 000 $, ben je m'en fous, j'aurai de la thune pendant le bull run pour acheter des NFT, pour investir dans des nouvelles cryptos qui vont arriver, tout ça. Voilà, donc d'avoir de la thune, de la liquidité du stablecoin, c'est toujours bien. Que tu sois en bear market, en bull run, il faut toujours essayer d'avoir un peu de thune de côté. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez la vidéo, je vous fais la grosse bise, soyez prudents sur le marché, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain, bye bye.